Salut à tous, c'est LexoGT, on se retrouve dans ma première vidéo sur Red Dead Redemption 2. Alors, j'avais dit que je ferais du Red Dead Redemption 2 sur ma chaîne YouTube, j'en avais pas encore fait, mais c'est parti. Donc dans cette première vidéo là, je vais tout simplement aller explorer cette zone qui est en blanc avec le point d'interrogation. Cette vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit pourquoi pas explorer cet endroit là en vidéo, parce que je voulais l'explorer normal, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir quelque chose d'intéressant dans cette zone. Donc c'est parti, j'ai trouvé un moyen de monter de la petite falaise et d'aller voir ce qu'il y a. Donc c'est parti. Et petite information, sachez que pour ceux qui ont l'édition Deluxe de Red Dead Redemption 2, le mode online sort à 16h30 ce soir. Donc tous ceux qui l'ont acheté le jour de sa sortie avec l'édition et tout, ils pourront y jouer dès ce soir 16h30, bien sûr en faisant la mise à jour, parce que je pense qu'il y a une mise à jour. Donc c'est parti. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la zone blanche. Donc j'espère. Par contre, j'ai envie de faire. Bon, en fait. Alors. Attends, j'ai envie de faire un truc. Voilà. J'enlève mon arme. Alors. Donc. Ah, les graphismes sont beaux. Hein. Ouais. Les graphismes sont plutôt sympas. Bah, alors, par rapport à GTA V, je pense que je vais faire une vidéo comparaison. Des graphismes de GTA V à Red Dead Redemption 2, et je pense que clairement les graphismes de Red Dead Redemption 2 sont largement meilleurs que ceux de GTA V. Déjà quand on regarde le ciel et tout, enfin quand on regarde le ciel, on peut voir que c'est largement meilleur. Enfin la qualité du ciel est plus belle et les reflets, enfin c'est vraiment plus beau. Alors, c'est parti. Alors. Donc je vais pas trop parler pendant que les personnages y parlent, je vais pas parler pour vous laisser écouter et profiter du jeu. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem for me, but not for you. All right. I ain't got time for no, well, no, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Maximo Cristobal Valdespino. Ah oui, il a un nom bizarre lui. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Ah ouais, il y avait déjà la Californie en 1899. Je pensais pas. Rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. I tried to invest it for a man such as you, given the potential returns. Alors, j'achète ou pas. Dévaliser, viser, acheter la carte 10 dollars, refuser. Bon, bah je pense qu'on va acheter la carte. On va pas faire le. On va pas la dévaliser. On va faire carré, allez. Et après tout, pourquoi pas. Alors. Ah, il y a le train qui passe là-bas. Ah ouais. Alors, c'est bon, j'ai acheté la carte. Donc, alors, examiner le document. Alors, utiliser. C'est la carte. Alors. Sac. Alors, zoomer. Et alors, sur la carte, on peut voir qu'il y a une sorte de montagne. Il y a une sorte. C'est comme une sorte de chasse au trésor ou exploration. De trésor, un truc comme ça. Enfin, de... C'est assez... Derrière, il y a quoi? Derrière, ça fait écran blanc. Voilà. Bah, c'est plutôt intéressant. Je sais pas ce que je peux en faire. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Je regrette, il n'y a pas un indice. Il n'y a pas un indice sur la carte, un truc.
S'il n'y a pas quelque chose de... S'il n'y a pas quelque chose, un endroit où il faut aller. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait toutes les missions. Je suis pas allé sur la carte en entier du coup. Parce que, en fait, de base, là, le campement, il est là quelque part. Le campement où je suis. Il est là quelque part. Je le trouve plus. Il est là, je crois. Non, il est... Je sais plus. Et moi, je suis descendu. Ah non, le campement, il est là. Le campement, il est là. Et moi, je suis ici. Je suis pas trop loin, mais... j'ai fait tout un grand tour en fait et je suis revenu là. Alors, je pense qu'il n'y a pas y a pas l'air d'avoir d'endroit où je peux chercher directement. Vous avez déverrouillé un nouvel équipement renforcé chez le trappeur. Allez voir. Hein. Ah bah ouais, donc c'est intéressant. Bah je pense que je ferai une autre vidéo quand je trouverai quand j'aurai trouvé le trésor. En tout cas, j'espère que cette vidéo Red Dead Redemption 2 vous a plu. Elle était un petit peu courte. C'était, j'ai pas fait grand-chose, mais c'était juste pour dire de faire en faire une première, un peu de vous montrer un petit gameplay comme ça de Red Dead Redemption 2 et de voir quand même que les graphismes sont plutôt pas mal. Et je pense que GTA 6 sera aussi beau niveau des graphismes, voire un peu mieux parce que comme je pense que GTA 6 sortira entre 2020 et 2023, les graphismes seront encore mieux que Red Dead 2, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis salut à tous, c'était LexoGT.